Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo habituelle du jeudi, le prono de la journée de Ligue 1, la troisième journée de Ligue 1 qui commence demain par ce match entre l'Olympique Lyonnais et Racing Club de Strasbourg. Se poursuivra comme d'habitude le samedi et le dimanche et on va donc, comme chaque jeudi depuis le début de la saison, tenter de donner un pronostic des 9 matchs de cette troisième journée de Ligue 1. On commence par se rappeler un petit peu le classement qui reste anecdotique en ce début de saison après seulement 2 matchs, même si on peut déjà voir que le Paris Saint-Germain, le LOSC, l'AS Monaco, le Racing Club de Lens sont les seules équipes à avoir fait 6 sur 6. On a également Marseille, Strasbourg et Nantes qui n'ont pas encore perdu. Et puis dans l'autre sens, du côté des points négatifs, on a Brest, Lyon, Saint-Etienne et Angers qui n'ont jamais encore récolté le moindre point. Et puis Montpellier, Reims et Nice qui n'ont pas encore gagné. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui pour cette troisième journée de Ligue 1 qui commence donc dès demain avec ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg? Ça va être bien évidemment l'ouverture de cette troisième journée. L'ouverture entre l'OL et le Racing Club de Strasbourg, deux équipes qui n'ont absolument pas connu la même deuxième journée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'OL qui a connu cette énorme défaite, pas dans le résultat parce que 2-0 encore ça passe, mais dans le contenu ça a été catastrophique pour les Lyonnais. Un seul tir en 95 minutes et c'était en fin de match. La possession, on le voit, elle est largement en faveur des Monégasques. Très peu de précision dans les passes, beaucoup de fautes. On l'avait déjà vu sur une vidéo consacrée à l'OL, mais ça a été un match qu'il faut absolument oublier, comme lors de la première journée contre Rennes. Donc début de saison très compliqué pour les Lyonnais. Et de l'autre côté, on a une équipe strasbourgeoise qui a fait un très bon match. On l'avait suivi en direct, le match des Strasbourgeois face à Rennes, victoire 3-1. Ils ont dominé vraiment de bout à bout cette rencontre avec une équipe très jeune sur le papier. Vraiment, il n'y avait que de la jeunesse, à part le Carl Johan Johnson, où sont c'est que des jeunes du côté de cette formation strasbourgeoise. Le capitaine avait 20 ans, c'était Habib Diarra, et on a eu vraiment des individualités assez intéressantes, notamment André Santos, Guéla Doué qui a fait un très bon match. Donc Strasbourg est une équipe à suivre et ça va être un match vraiment compliqué pour les Lyonnais qui doivent absolument s'imposer, bien sûr. Alors au niveau de la compo probable, on parle d'une compo côté Lyonnais qui ressemblerait un tout petit peu à celle face à Monaco. De toute façon, tu peux pas faire 50 000 changements, bien sûr, juste au milieu de terrain où c'est vraiment le gros problème côté Lyonnais et où Persage n'a pas encore trouvé la solution. Il avait tenté Kakré, Maitland Niles et Benrahma en 10 contre Monaco, ça n'avait pas fonctionné. Là, on partirait peut-être sur un retour de Matic, Kakré et Aurel Mangala titulaire. Malik Fofana serait reconduit, Lacazette, Benrahma, toujours pas de Mikotadze. Alors, à voir, c'est quoi des compos probables, bien évidemment. Et du côté du Racing Club de Strasbourg, on partirait sur la même compo que face à cette formation. C'était contre qui? C'était contre Rennes. Juste Carl Johansson qui ne devrait pas débuter, peut-être blessé. C'est vrai qu'il avait été un petit peu touché, je crois, l'adducteur contre le Stade Rennais. Donc peut-être que malheureusement il ne peut pas jouer cette rencontre. En tout cas Risser devrait débuter, c'est ce que nous donnent les compos probables. Alors du côté du prono entre l'OL et le Racing Club de Strasbourg, ça va être du côté de Lyon, Groupama Stadium, dans une ambiance je pense pas encore hostile, mais s'il y a des fêtes, ça va commencer à appuyer pour les Lyonnais très sincèrement, parce que comme on l'a dit, je ne pense pas qu'ils vont connaître le même début de saison que l'année dernière qui était vraiment cataclysmique. Mais pour ça il faut absolument gagner demain ou au pire faire match nul, ce qui va être compliqué face à Strasbourg, une belle équipe strasbourgeoise vraiment. Très belle équipe, le Racing Club de Strasbourg, qui a fait un mercato assez intelligent, beaucoup de jeunesse, peu d'expérience, et ça peut-être qui va être compliqué sur la longue durée. Mais ou sinon, je pense vraiment que sur ce match-là, le Racing Club de Strasbourg peut vraiment poser des problèmes à l'OL. Et je vois un match nul, un partout entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. On continue avec le match du lendemain, samedi 17h. Belle petite affiche entre le Stade Brestois et l'AS Saint-Etienne. Brest qui a encore perdu malheureusement sur cette deuxième journée de Ligue 1. C'était contre le Racing Club de Lens 2-0. Et du côté de la SSE, défaite aussi contre le Havre 2-0. La SSE a vraiment fait un mauvais match contre les Havrais, très sincèrement. Les Havrais méritent largement leur victoire et la Saint-Etienne va devoir montrer un autre visage. Je les avais trouvés assez intéressants contre l'AS Monaco au niveau du contenu, mais là contre le Havre c'était vraiment très compliqué. Le mercato n'est pas si incroyable que ça côté stéphanois, il va falloir se dépêcher, il ferme dans deux jours. Donc à voir. Et du côté de Saint-Brestois c'est pareil, on le sait, ils vont jouer la LDC, ils vont connaître leur adversaire aujourd'hui. Les Brestois qui ont perdu contre Lens, qui ont perdu lors de la première journée contre Marseille. Le début de championnat est quand même compliqué au niveau des adversaires. La Saint-Etienne, c'est normalement à leur hauteur, c'est à domicile, il faut absolument gagner pour les Brestois. Et les Stéphanois veulent aussi lancer leur saison. C'est deux équipes qui n'ont pas encore eu le moindre point. Il faut absolument aller les chercher demain
quoi qu'il arrive, une des deux ouvrira son compteur demain, peut-être les deux, on verra. Moi je vois bien un nouveau match nul. Encore un partout, on va pas se mouiller entre le Stade Brestois et l'AS Saint-Etienne. On va continuer avec le match de 19h, Montpellier-Nantes. Alors celui-là va être compliqué à pronostiquer. Deux équipes qui depuis maintenant plusieurs années jouent le maintien, jouent en tout cas le bas du classement, les Montpellierains et les Nantais. Les Nantais ont été chercher une belle victoire contre la Auxerre. Auxerre qui a été réduit à 10 assez rapidement, mais les Nantais ont été plutôt costauds dans cette rencontre-là à domicile contre la Auxerre. Et du côté de Montpellier, ça a été une très lourde défaite face au Paris Saint-Germain. Alors on va bien évidemment sans parler de l'adversité qui a été énormissime, parler du match Montpellier-Rhin qui a été catastrophique, bien évidemment. Voilà, pareil, hein, le mercato Montpellier-Rhin, l'effectif Montpellier-Rhin, le jeu Montpellier-Rhin n'est vraiment pas excitant et incroyable. Donc j'annonce encore une saison très compliquée pour eux. Et là, ce match-là, je sais pas pourquoi, mais ça va être peut-être l'un des matchs les plus ennuyants, en tout cas sur le papier, de cette troisième journée. Je vois bien encore un match nul, cette fois-ci 0-0. Voilà, je vois même pas de but entre Montpellier-Rhin et Nantes, je vois 0-0. Et le soir, Toulouse-Marseille, assez alléchant entre les Toulousains et les Marseillais. Malheureusement, Marseille a fait plutôt un bon match, mais a eu quelques moments de flottement sur cette rencontre contre le Stade de Reims, qu'ils ont quand même été chercher le match nul de partout face au Rémois, alors qu'ils perdaient 2-1 en deuxième mi-temps, les Marseillais. Et du côté de leur adversaire Toulouse, un partout contre Nice. Attention à Toulouse aussi, hein, les Toulousains qui ont une belle équipe, qui eux par contre ont fait un mercato assez intéressant en essayant de garder leurs très bons joueurs. Malheureusement ils ont perdu Dalinga, mais il y a encore Abouklal, il y a encore Donoum, Yann Gbo aussi qui est un très très bon joueur qui était arrivé au mercato hivernal l'année dernière. Ils ont été chercher Cresswell, l'ancien lead, qui est un super défenseur central. Vincent Serrault, le capitaine, bien sûr, au milieu de terrain, très très bon. Je trouve que Toulouse a vraiment une très très bonne équipe avec des bons jeunes. Il y a Djibril Sidibé aussi qui est arrivé, Pabika, l'ailier qui est plutôt bon, plutôt intéressant en sortie de banc. Donc j'aime bien cette équipe toulousaine, j'aime bien comment Toulouse fonctionne aussi. Ça va être un match intéressant, une très belle ambiance du côté du stadium. Ça peut être encore un match difficile pour les Marseillais, plus difficile que la première journée contre Stade Brestois. Mais je pense que De Zerbi va trouver des solutions pour éviter ce qui s'est passé contre Reims, éviter ces petits flottements. Je ne pense pas qu'on reverra notamment Eli Wahi, en tout cas titulaire sur ce match, au vu aussi de la rentrée de Jonathan Rowe contre cette équipe rémoise. Donc je vois aller quand même une victoire marseillaise 2-1, mais à l'arraché en fin de match. Et Toulouse va leur poser beaucoup beaucoup de problèmes. C'est une équipe vraiment qui peut poser des problèmes à tout le monde, même au Paris Saint-Germain. C'est surtout à domicile, surtout à domicile au Stadium. On sait que c'est une très très belle ambiance et c'est difficile d'aller gagner là-bas. On continue avec le Monaco-Lens, énorme choc à 15h, premier énorme choc de cette troisième journée. C'est le dimanche à 15h entre l'AS Monaco et le Racing Club de Lens, deux équipes qui ont tout gagné pour le moment. 6-6 pour les Monégasques et les Lensois. Monaco ont fait le match parfait contre l'Olympique Lyonnais, on l'avait suivi en live, c'était vraiment parfait de A à Z pour les Monégasques. Sincèrement, il n'y a rien à dire, la victoire est plus que méritée. Petit point négatif, c'est ce carton rouge de Lamine Camara à la 87e minute de jeu, qui avait marqué 17 minutes avant. Ça, c'est le point négatif, mais très sincèrement, alors peut-être à part un Brel Embolo qui n'a pas fait un énorme match, qui a raté beaucoup de choses offensivement, Elias Benchegir, Akliouche, ils ont été énormes. Lamine Camara qui ne sera pas là dimanche a été très très bon. La défense n'a pas eu grand chose à faire, mais elle était plutôt rassurante. Il y a eu des jeunes joueurs, notamment Georges Elenikena, Magasa, Ouattara, qui sont rentrés en jeu, l'entrée aussi du dernier arrivé, Jordan Tézé. Donc très sincèrement, Monaco a fait un énorme match contre le Racing Club de Lens. Alors ce match sera du côté de Monaco, donc bon, très sincèrement, c'est encore les vacances, mais ce ne sera pas non plus une ambiance de folie côté Monégasque. Par contre, côté Lensois, il y aura du monde. Il y aura du monde, bien sûr. Ce sera un mini bollard du côté de Louis II. Le Racing Club de Lens qui a fait une belle victoire contre Angers lors de la première journée. Et une très belle victoire contre Brest 2-0 en dominant. Pareil, le carton rouge, je crois, c'est Machado. Machado qui l'a pris à la 88e minute de jeu. Mais très sincèrement, le Racing Club de Lens a fait quand même un match également plein contre Brest. Ça va être un match très disputé entre Monégasque et Lensois. Je dirais quand même que les Monégasques sont légèrement favoris, genre 60-40. Et je vois une victoire, allez, pareil, à l'arraché 1-0 de l'AS Monaco, un peu comme l'AS Saint-Etienne contre l'AS Saint-Etienne, même si Lens va leur poser, je pense, beaucoup plus de problèmes que l'AS SE. Mais je vois une victoire 1-0 de l'ASM. C'est ça, de l'AS Monaco. On continue avec les trois matchs du multi. Angers-Nice. Angers n'a toujours pas été chercher le moindre point. Nice, un seul point. Début de saison compliqué pour les Niçois.
avec notamment cette défaite lors de la première journée, c'était contre Auxerre en fin de match, le nul contre Toulouse, c'est compliqué de battre Toulouse, on l'a dit, un partout, le début de saison compliqué, ils ont été chercher Youssoupha Moukoko, ça c'est plutôt une très très bonne arrivée, il est juste là, Youssoupha Moukoko, l'arrivée donc de l'ancien joueur de Dortmund de 19 ans, en prêt, l'OM le voulait, c'est Nice qui a été le chercher, ce qui sera là dimanche, ce qui sera dans le groupe, je ne sais pas, mais c'est une très très belle arrivée, voilà, ils avaient perdu contre les Auxerrois la première journée, un partout contre Toulouse, ils ont quand même une belle équipe, même si le mercato n'est pas incroyable pour le moment, à part donc Klaus et l'arrivée de Moukoko, il y a Tanguy Ndombele qui est revenu, qui joue depuis le début de la saison, mais pour le moment ça ne prend pas, voilà, la sauce Franck Hez n'arrive pas à prendre, et ils vont donc jouer contre cette formation angevine à Angers, à Raymond Kopa, pareil Angers c'est un petit peu compliqué, ils ont fait le mercato qu'ils pouvaient avec des joueurs expérimentés qui connaissaient bien le championnat de France, Ligue 1, Ligue 2, mais c'est un peu dur pour les Angevins, là je pense que Nice va chercher sa première victoire, et je vois une victoire 2-0 des Niçois, je pense qu'Angers va vraiment avoir du mal cette année. Le Havre-Auxerre, belle petite affiche entre les Havrais qui ont été chercher la première victoire de la saison contre Saint-Etienne, victoire largement méritée pour le Havre, très sincèrement, contre la Saint-Etienne, il n'y a rien à dire, on peut le voir aussi au niveau des stats, je crois qu'ils ont vraiment dominé, j'avais regardé la deuxième mi-temps, ils ont un peu la possession et tout, mais dans le match, parce que les stats ça ne veut pas dire grand-chose quand tu regardes pas le match, dans le match, ils ont vraiment pour moi dominé, été au-dessus, les plus grosses occasions, et maîtriser globalement la rencontre face à des Stéphanois qui ont vraiment pas été à la hauteur. Voilà, le Havre va falloir également compter sur eux cette année pour inquiéter le plus d'équipes possible. Ils ont inquiété le PSG, hein, on peut le dire. Ils croyaient mener 2-1 à un moment donné lors de la première journée, ils ont pu refuser. Mais le Havre voilà, est une équipe sur laquelle va falloir vraiment faire attention. Ils ont également été chercher un jeune du PSG, Ilyes Ousni, en prêt au milieu de terrain. Voilà, ils vont essayer de faire des paris, est-ce que ça va fonctionner, on ne sait pas, et en face il y a Auxerre qui est une belle équipe, vraiment très très belle équipe, ils ont été chercher cette première victoire très intéressante contre l'OGC Nice en fin de match lors de la première journée, et puis lors de la deuxième ça a été une défaite contre Nantes, bon contre Nantes ça a été très compliqué, en plus à la Beaujoire là-bas ça a été dur niveau confiance, perdre à Nantes, avec tout le respect que j'ai pour les Nantais, c'est quand même compliqué, on sait que voilà, Nantes c'est une équipe même à domicile qui a du mal, donc Auxerre va devoir se remettre dedans, c'est un match entre concurrents au maintien directement, donc ça va être un match déjà malheureusement assez fermé je pense, et je vois encore un match nul, je dirais un partout entre les Havrais et les Auxerrois. On continue avec le Reims-Rennes, peut-être qu'on le fera en direct ce match-là, c'est les chansons de papier, je crois que Reims a toujours pas été chercher le moindre point, ils ont perdu les deux premiers matchs, les Rémois, ils ont été chercher le nul par exemple contre l'OM bien sûr, et puis ils vont jouer donc contre cette équipe rennaise qui a perdu contre Strasbourg en ayant proposé un match nul, on va pas se mentir, il y a eu une défaite et puis ils ont proposé un match nul, très sincèrement les Strasbourgeois ont maîtrisé globalement toute la rencontre, ont été au-dessus presque partout dans tous les compartiments du jeu, ils ont réussi à y croire un petit peu avec la réduction de l'écart de Ludovic Blas, mais Christopher Wu a plombé Rennes malheureusement contre son coin qui se joue à la 87ème. Très sincèrement, les Strasbourgeois ont été largement au-dessus des Rennais. Reims qui va être à domicile, qui va vouloir aller chercher la première victoire. Reims qui a fait aussi un bon match contre l'OM, ça va leur permettre de rentrer en confiance aussi un petit peu dans cette saison du côté des Rémois, qui sont encore malheureusement... Alors c'est quelques jours pour Teddy Thomas, je ne sais pas s'il sera remis contre Rennes, mais son retour va faire vraiment très très grand bien. Taremi ne sera pas là normalement, et puis Amadou Koné qui est encore suspendu après son choc avec Angel Gomez. Rennes va devoir absolument se réveiller, les hommes de Julien Stéphane vont vraiment vraiment devoir se réveiller et montrer dans le contenu un autre visage que contre Strasbourg, ils n'ont pas le choix. Allez, je dirais victoire 2-1 des Rennais. Et on continue avec cet énorme choc entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. On termine avec cet énorme choc entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Le LOSC a été chercher sa victoire et sa qualification. Enfin, ils ont perdu, mais ils ont été chercher leur qualif. On l'a suivi en live hier, en direct, face au Slavia pour être présent au tirage au sort ce soir de la Ligue des Champions. Donc, énorme victoire des Lillois pour se qualifier. Ils ont gagné contre Angers pour le moment, début de saison. Il est normal pour les Lillois, en tout cas ils devaient gagner contre Reims et Angers, ils ont gagné. Et puis si on regarde la compo, on n'a pas eu une équipe type côté Lillois qui a été mise en place, que ce soit lors de la première journée ou de la deuxième, parce que Bruno Genesio est intelligent et fait des changements. C'est pas non plus une équipe Z. Mais par exemple, on n'a pas eu de Zegrova, on n'a pas eu de Cabella qui était titulaire contre Angers, Ten Mbappé, Sarawi ont été titularisés, Aïssa Mendy également était présent. Donc voilà, il y a eu quelques turnovers. Donc là, je pense qu'on aura vraiment une équipe type avec tout le monde qui sera là. Zegrova sera présent, Cabella sera là, David sera présent. Enfin, tout le monde sera présent pour ce match face au Paris Saint-Germain. Le PSG qui pour le moment roule sur l'eau, mais pareil, l'adversité n'était pas, avec tout le respect que j'ai pour le Havre et Montpellier, n'était pas non plus là pour inquiéter le PSG plus que ça. Là, ils vont normalement être inquiétés. Normalement, ils devraient être inquiétés face au LOSC. En plus du côté de Pierre Mauroy, ambiance de folie, ambiance 100% pour les Lillois, bien sûr. Donc ça va être un match très très intéressant entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va être à suivre.
Ça va être passionnant, je pense, un match vraiment, vraiment ouvert. Et je vois à la fin, un match assez prolifique, je dirais un match nul, deux partout entre les Lillois et les Parisiens, avec un match qui s'emballe en seconde période. Ça peut être vraiment un super, super match, cette rencontre entre Lillois et Parisiens. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Peut-être qu'aujourd'hui on fera deux vidéos, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on aura une deuxième vidéo qui sortira ce soir pour débriefer un petit peu du tirage au sort de la Ligue des Champions. On verra, très sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, cette vidéo-là, vous le voyez le jeudi matin, peut-être que le jeudi soir, ce soir, on se retrouvera pour parler du tirage au sort de la LDC. Peut-être qu'on aura deux vidéos aujourd'hui, on verra. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, à mettre votre prono des différents matchs dans l'espace commentaire. Moi, je vous dis peut-être à ce soir, à demain, à ce week-end, on verra pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. À très bientôt, les amis. Et comme d'habitude, ciao.